Devant le succès remporté par la première édition, la Ville de Saguenay procède pour une deuxième fois à la distribution de trousses de sécurité destinées aux 70 ans et plus vivant sur son territoire. La conseillère municipale Martine Gauthier a profité de la présence aujourd'hui à Saguenay de la présidente du Carrefour Action municipale et famille pour en faire l'annonce. Madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, est en visite dans la capitale régionale dans le cadre d'une tournée provinciale. Le projet de ces trousses de sécurité est prolongé pour 2013, de même que pour les deux prochaines années grâce à une subvention gouvernementale. Notons que cette trousse contient des informations précieuses et des trucs sur une foule de sujets. En 2011, 100 trousses avaient été distribuées lors de la première édition. Nous lançons pour une deuxième année consécutive notre trousse de sécurité pour les 70 ans et plus. Pour pouvoir se prémunir de cette trousse-là, ce sera de communiquer avec les gens d'Action bénévole Chicoutimi. Madame Marois, on profite de votre visite pour vous dire que Saguenay a à cœur, elle aussi, comme vous, ses aînés et la sécurité de ses citoyens. Donc, nous sommes fiers de faire le lancement pour une deuxième édition. Une trousse comme celle-là, ça permet à des gens qui vieillissent de pouvoir rester plus longtemps à la maison, de pouvoir rester actifs, d'être des aînés qui contribuent encore parce qu'ils ne se blessent pas, parce qu'ils ont ce qu'il faut pour le maintien. C'est ce genre d'initiative qui fait la différence dans un milieu. Alors, là-dessus, je pense que Saguenay a plusieurs exemples à nous donner.